Salut à tous, c'est Cocor et je vous retrouve aujourd'hui pour un live sur Blood Bowl où nous allons poursuivre la coupe propre avec eh bien, le début des playoffs où en fait le premier et le quatrième des poules qu'on avait fait juste avant vont s'affronter ainsi que le deuxième et le troisième et lors de la journée suivante les vainqueurs de ces deux matchs vont s'affronter pour la finale de la coupe. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à me faire le retour sur le son, la qualité graphique, l'équilibre des sons, voilà. Peut-être baisser un peu le son du jeu pour moi. Et petite nouveauté, donc là maintenant sur les lives, donc j'ai activé Twitch Alert. Donc à savoir que maintenant il y aura des alertes qui vont s'afficher à l'écran en cas de nouvelles personnes qui follow, en cas d'host, en cas de don. Et avec pour les dons un message qui s'affiche, enfin le message personnalisé que vous aurez rentré. Pour ce qui concerne les dons, vous pouvez voir le lien pour en faire un juste en dessous de ce stream dans la catégorie dons justement. Donc voilà, on va pouvoir reprendre. On va pouvoir reprendre la coupe propre. Donc on va charger la partie, voilà, dans campagne. Et donc voici les Cocor Lizards, saison 1, jour 1. Donc jour 1 parce que oui, c'est la première journée des playoffs. Donc on retourne pas au début. Bonjour à Sleepy Pingo sur le chat. À savoir donc, oui, on avait des joueurs qui avaient gagné un niveau au cours de. Oui. C'est vrai que j'ai parlé des alertes, mais je parlais ça parce que justement je parlais de l'équilibre du son et de la qualité graphique. Il faut pas hésiter à me dire si notamment le son des annonces est trop fort ou ce genre de choses ou que quelque chose ne marche pas de ce côté-là. J'ai aussi activé Moobot qui devrait normalement faire son boulot, peut-être de manière un petit peu sévère pour commencer, du côté des spams et tout autre genre de choses gênantes pour la lisibilité du chat. Si vous trouvez certaines choses excessives, n'hésitez pas à m'en parler aussi dans le chat ou via Twitter en commentaire ce que vous voulez. Donc on va appliquer les niveaux. Donc on avait le Joker donc qui avait été je crois le joueur du match précédent, donc il avait gagné pas mal d'XP, donc il est à 7. Et on avait aussi Verdier qui donc c'est tous les deux. Ah non, nous avons Joker qui a un Saurus donc qui est plus force et Verdier qui est plus agilité parce qu'il avait marqué je crois 2 ou 3 touchdowns au cours du match précédent. Donc ça lui avait fait pas mal monter son XP. Donc on a le Joker qui est un Saurus. Donc on va voir ce qu'on peut lui faire monter comme niveau. Alors comment ça se passe les jets de niveau sur Blood Bowl? Donc en fait on va lancer 2D6 et en fonction du score et eh ben on va avoir différents bonus possibles. Alors si on fait des scores plutôt faibles, on va avoir généralement une compétence, à savoir donc on a plusieurs catégories de compétences voilà qui vont être accessibles selon les personnages. Donc en l'occurrence pour un Saurus, il n'a pas accès aux mutations. Il a accès aux compétences de force et aux compétences générales, puisque justement c'est un joueur axé sur la force. Mais il peut quand même acquérir des compétences d'agilité et de passe si on fait un double sur les dés qu'on lance. Et je crois que pour les plus hauts scores, on peut gagner un point d'agilité, un point de force, un point peut-être d'armure, peut-être de mouvement, je ne sais pas. Force et agilité, c'est sûr. Et il y a peut-être d'autres gains quand on fait un double 6. Je n'ai plus toute la table en tête. Mais voilà, c'est un peu ce à quoi on peut s'attendre. Donc voilà, nous allons faire la montée de niveau. Donc on va lancer les dés. Et nous faisons un 3, ce qui nous permet eh bien de choisir une compétence. On n'a pas le choix. Donc ça va être une compétence générale ou une compétence force, étant donné qu'on n'a pas fait de double. Alors là, par contre, il y a pas mal de compétences à lire. Donc on va prendre le temps. Donc on va plutôt regarder force pour commencer. Alors il y a Châtaigne qui est en vert, je ne sais pas pourquoi. Châtaigne, donc ajouter plus 1 à tous les tests d'armure ou de blessure effectués lorsqu'un adversaire est mis au sol suite à un blocage. Châtaigne ne peut être utilisée avec les compétences poignard ou tronçonneuse. Donc voilà, plus de chances de blesser et de blesser gravement l'ennemi suite à une mise au sol. Stabilité, un joueur ayant cette compétence peut choisir de ne pas être poussé suite à un résultat de blocage. D'accord. Il peut donc ignorer les résultats repoussés et repoussés plaqués qui
Dans ce dernier cas, plaque le joueur dans sa case. Si un joueur est repoussé sur un joueur instabilité, aucun des deux joueurs ne bouge. Ok. Donc là, ça permet juste de ne pas être repoussé en cas de plaquage, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Esquive en force. Le joueur peut utiliser sa force à la place de son agilité lorsqu'il tente une esquive. Ça peut être pratique. Par exemple, un joueur ayant une force de 4 et une agilité de 2 serait considéré comme ayant une agilité de 4 au moment de tenter une esquive. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois par tour. Donc ça peut être assez intéressant pour les Saurus, étant donné qu'ils ont très peu d'esquive et que du coup, enfin ils ont très peu d'agilité, et ça leur permettrait d'esquiver beaucoup plus facilement vu qu'ils ont pas mal de force. Donc pourquoi pas châtaigne et esquive en force. Projection, ce joueur utilise sa force et sa technique pour saisir et projeter son adversaire, pour représenter ceci, et uniquement lorsqu'il effectue un blocage. Le joueur ayant cette compétence peut choisir de repousser son adversaire dans n'importe quelle case libre adjacente au joueur repoussé. Lors d'un blocage ou d'un blitz, projection et glissade contrôlée s'annulent. D'accord. Projection. Ah d'accord. Donc d'accord, il peut pas faire de glissade contrôlée sur la projection. Un joueur ayant la compétence frénésie ne pourra jamais apprendre ou gagner la compétence projection. Donc frénésie qui n'est pas dans cette catégorie. Donc en gros, en fait, au lieu de repousser sur une case de l'arrière, on peut le repousser sur n'importe quelle case libre adjacente. Ok, bon, pourquoi pas. La garde. Penses-tu faire Evoland en live un jour? Bah oui, pourquoi pas, je vais... alors là, vu que c'est sur le chat et que c'est pas sur un message permanent, je t'invite à envoyer un commentaire dans la liste de jeux ou un message sur Twitter, ce que tu veux, quelque chose qui soit sur un support permanent, pas sur le chat où ça va s'effacer dès que je vais quitter la fenêtre, histoire que j'y pense et j'ajouterai Evoland. Alors, à savoir que on a Evoland qui est sorti il y a déjà un certain temps et il y a aussi Evoland 2 qui est sorti récemment, donc à préciser si tu veux Evoland, Evoland 2 ou les deux à la suite. Mais oui, ça peut se faire, donc juste précise-le moi dans un endroit, une messagerie où je suis sûr de ne pas l'oublier. Et je l'ajouterai. Mais oui, pourquoi pas. Donc du coup, je le mettrai, si j'y pense et si c'est écrit, quelque part, je le mettrai en vote eh bien, pour le prochain live découverte pour lequel je n'ai pas encore rédigé le vote. Donc en théorie, pour le live de samedi. Donc si après il a suffisamment de votes, on le fera. Il n'y a pas de souci. Sachant que c'est un jeu qui m'intéresse à la base. Je pense qu'il aurait été quoi qu'il arrive d'ailleurs dans ce vote. Quand en général je regarde les jeux sortis les 7 derniers jours et les jeux qui m'intéressent le plus, je pense que celui-ci en aurait fait partie, notamment avec Grandia 2. Ah, et s'il n'est pas voté, bah si il y a eu des votes, je peux le remettre pour le vote suivant. Du coup, on reprend sur garde parce que j'ai oublié ce que je lisais. Un joueur avec cette compétence peut apporter un soutien offensif ou défensif, même s'il se trouve. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Même s'il se trouve dans la zone d'attaque d'un autre joueur. C'est vrai qu'on pouvait pas utiliser les soutiens si on était dans une zone d'attaque, c'est ça? Même s'il se trouve dans la zone. Ah, je me demandais. Enfin, j'ai l'impression que des fois ça le faisait pas forcément. Ou alors j'avais peut-être la chance de pas être dans des zones d'attaque à chaque fois. Ok. Peut pas être utilisé pour assister à une agression. Ok. Juggernaut. Un joueur ayant cette compétence est presque impossible à arrêter une fois lancé. Lorsque ce joueur effectue un blitz, les joueurs adverses ne peuvent pas utiliser les compétences parade, stabilité et lutte. De plus, l'attaquant peut choisir de considérer le résultat, les deux à terre, comme s'il avait obtenu un résultat repoussé à la place. D'accord, donc ça permet d'éviter les deux au sol et... Les ennemis peuvent pas utiliser cette compétence pendant qu'on fait un blitz, peut-être des compétences qui nous empêchent d'esquiver convenablement. Alors écrasement. Un joueur peut utiliser cette compétence après avoir effectué une action de blocage ou un blitz, uniquement si à ce moment-là il est debout et se trouve dans une zone adjacente à une victime plaquée. D'accord, donc après avoir attaqué un ennemi, on va avoir la possibilité sans doute de l'agresser. Seulement s'il est debout et se trouve dans une case adjacente à la victime plaquée, vous pouvez ainsi relancer le jet d'armure ou de blessure de la victime. D'accord, donc c'est une relance pour la blessure. Si jamais on l'a plaqué. Action.
Il parle duquel joueur? De nous ou de d'une autre joueur qui est encore debout ou de l'adversaire? Adjacent à la victime plaquée, donc il faut que la victime soit au sol, d'accord. Je pense. Donc on peut refaire le jet d'armure et de blessure. Un écrasement ne provoque pas de turnover, à moins que le joueur ayant effectué cette action ne soit le porteur du ballon. L'écrasement ne peut pas être utilisé avec les compétences moyennes et tronçonneuses. Je suis pas sûr d'avoir bien compris cette compétence, mais je suis même pas sûr qu'elle m'intéresse en fait. Costaud. Un joueur peut ajouter 1 au D6 de son jet de passe lorsqu'il effectue une passe courte, longue ou une bombe. D'accord, donc plus de chances de réussir les passes pour les gars qui sont justement plus axés force. Crâne épais. Le joueur considère tout jet de 8 sur un tableau des blessures après que les modificateurs aient été appliqués comme un sonnet au lieu d'un KO. Utilisable même si le joueur est à terre ou sonné. Et puisque KO. KO, je crois qu'on est juste à terre, alors que sonné, on est interrompu un tour, donc voilà, on résiste mieux au voilà, l'état sonné, justement. Et blocage multiple. Au cours d'une action de blocage, un joueur adjacent à au moins deux adversaires peut choisir d'effectuer un blocage contre deux d'entre eux. Effectuer chaque blocage normalement l'un après l'autre, excepté que la force de chaque défenseur est augmentée de 2. Le joueur ne peut poursuivre après ses blocages lorsqu'il utilise cette compétence. Ainsi, blocage multiple peut être utilisé à la place de frénésie, mais ces deux compétences ne peuvent pas être utilisées ensemble. D'accord, donc on peut bloquer plusieurs ennemis, mais du coup, on a un malus. Je pense qu'on peut choisir d'effectuer un blocage contre deux. Donc c'est on a le choix. Donc par exemple si on est contre deux faibles, on peut éventuellement se permettre un blocage multiple. Mais je pense que esquive en force et châtaigne, ça peut être pas mal. Si on a plus de chances de d'éliminer un adversaire, ça peut être sympa. Alors peut-être pour ça qu'elle est en verte, parce que il nous la conseille. Et qu'est-ce qu'on avait en général? On en a encore plus. Arracher le ballon, donc on va lire rapidement, mais je pense qu'on va choisir châtaigne. Alors le joueur force un adversaire qu'il repousse à lâcher le ballon dans la case où il a été repoussé. Ça c'est bien pratique contre les ennemis qui n'arrêtent pas d'esquiver et de faire des repoussés. Sur un résultat repoussé ou défenseur bousculé, même si celui-ci n'a pas été mis au sol. Ça peut être bien ça, arracher le ballon. Vraiment, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est peut-être pas mieux le châtaigne. Sachant qu'après, c'est les gros costauds qui vont avoir la balle. Faut qu'ils réussissent leur passe ou à avancer avec. Blocage de passe. Un joueur avec cette compétence peut bouger jusqu'à 3 cases lorsque le coach adverse annonce qu'un des joueurs de son équipe va tenter une passe avec la balle, mais pas une bombe. Le joueur ne peut effectuer ce mouvement à moins d'atteindre une destination légale et il ne peut suivre un chemin qui ne l'autorise pas à atteindre. Hein, ok. Ce mouvement est effectué en utilisant toutes les règles normales et compétences nécessaires. Si un joueur utilise blocage de passe durant son propre tour sur une passe rapide adverse et qu'il est mis à terre, cela provoque un turnover. Intrépidité. Cette compétence ne fonctionne que si le joueur tente de bloquer un adversaire plus fort que lui. Le coach du joueur intrépide lance un D6 et l'ajoute à sa force. Si le joueur est inférieur ou égal à la force de l'adversaire, le joueur doit utiliser sa force normale pour le blocage. Si le total est supérieur, alors le joueur est considéré comme ayant une force égale à celle de son adversaire. Donc on passe d'un dé rouge ou deux dés rouges ou trois dés rouges à un dé blanc. Joueur vicieux. Un joueur avec cette compétence a longtemps étudié toutes les techniques pour faire souffrir ses adversaires. Ajouter plus 1 à tout jet d'armure ou de blessure effectué par ce joueur lorsqu'il commet une agression. Notez que vous pouvez modifier que l'un des deux lancés. Blocage. La compétence blocage empêche le joueur d'être mis au sol lors d'un blocage sur un résultat les deux au sol. Ça peut être sympa aussi. Hein. Ça peut être sympa. Parade. Le joueur est très doué pour tenir à l'écart ses adversaires. Les joueurs adverses ne peuvent pas poursuivre lors d'un blocage contre ce joueur même s'il est plaqué. Le joueur adverse peut cependant continuer à bouger après le blocage s'il avait déclaré un blitz. D'accord, donc c'est l'action de suivre un joueur
C'est l'action de suivre un joueur qui fait que et ben justement celui qui attaque va pas avoir celui qui nous attaque va pas avoir la possibilité de nous suivre. Encore une fois, je connais pas ce jeu, tu pourrais faire un rapide résumé. Donc Blood Bowl, qu'est-ce que c'est? Bah à la base c'est un jeu de rôle papier qui se déroule sur un terrain quadrillé. Et donc ça se passe un petit peu comme le rugby ou le football américain. Le but est de récupérer le ballon et de le poser sur l'en-but adverse, tandis que les adversaires eh bien, vont tenter de nous arrêter en nous mettant des pains ou en nous mettant des pains ou en interceptant notre ballon si on fait des passes. Et donc même chose pour l'adversaire, il doit tenter de marquer dans nos cages. Donc vu que c'est à la base un jeu de rôle papier, là on joue dans les règles presque classiques, donc ça va être un match au tour par tour, où à chaque tour, donc ça se joue en demi-temps de 8 tours chacun. Et à chaque tour, donc chacun de nos joueurs va pouvoir effectuer une action, donc se déplacer, faire une passe, attaquer un joueur, ramasser le ballon, tout ce genre de choses. Voilà. Et donc après voilà, chaque joueur va avoir ses compétences, ses statistiques de force, d'agilité qui vont lui permettre de réussir plus ou moins ce qu'il entreprend de faire. On va, comme c'est un jeu de rôle, on va avoir aussi un système de relance où si le résultat qu'on a fait avec les dés pour réussir une passe ou un blocage, on va pouvoir relancer le dé et choisir ce nouveau résultat si le précédent ne nous plaisait pas par exemple. Sachant que les relances sont limitées et qu'on en a un certain nombre. Voilà. Donc après, hein, comme j'ai dit, pour marquer, il faut mettre le ballon en face. Et comme un match de rugby ou de football, bah celui qui a le plus de points à la fin du match remporte la partie. A savoir que là, on fait une coupe et que tout simplement, bah, on a fait toute une série de phases de poule. Et que là, bah, on va attaquer un peu les matchs finaux de cette coupe pour bah, tenter d'être premier, tout simplement. Donc on a deux matchs à gagner. On a un match contre le deuxième, je crois, à gagner. Et après, bah, ça sera le gagnant de l'autre match qui sera en parallèle qu'on va devoir affronter. À voir si on arrive jusque-là. Et là j'avais gagné un niveau, donc on regarde un peu les compétences vu qu'on les connaît absolument pas et vu qu'un joueur avait gagné de niveau, on va pouvoir l'améliorer et lui apprendre une compétence qui va le rendre plus puissant tout simplement. Ou lui donner d'autres possibilités. Donc là voilà, c'était le suivi, c'est ça? Ok. Frénésie, un joueur avec cette compétence est un dangereux psychopathe qui attaque ses adversaires avec une rage incontrôlable. Si un résultat repoussé ou défenseur bousculé, le joueur doit immédiatement effectuer un second blocage sur son adversaire s'ils sont tous les deux debout et adjacents. Si le joueur effectue un blitz, alors il doit payer une case de mouvement supplémentaire avant d'effectuer un deuxième blocage. D'accord, donc en fait on fait deux blocages à la suite. Si les joueurs sont toujours à côté, mais le premier blocage se fait quand même, d'accord. Donc un blocage c'est l'action où on va tout simplement attaquer un joueur ou se faire attaquer si c'est l'ennemi qui fait un blocage. Pro, un joueur qui a cette compétence est un vétéran endurci. Une fois par tour d'équipe, un pro a le droit de relancer un de ses jets de dés, sauf un jet d'armure, de blessure ou de sortie, même s'il est à terre ou sonné. Le coach doit lancer un dé6. Si les résultats. Sur un résultat de 4 à 6, la relance peut être faite. Sur un résultat de 1 à 3, le résultat original est conservé et ne peut pas être relancé par une relance de compétence ou d'équipe. Néanmoins, vous pouvez relancer le jet pro avec une relance d'équipe. D'accord. Donc en fait, on a des chances d'avoir une relance supplémentaire si on fait 4 à 6 lors de la lancée de dés. A savoir qu'en général, bah, plus on va faire un score élevé au dé, plus l'action va avoir de chances de réussir. Tout simplement, si sur une action, si on a 3 en agilité, ben en fait on a 3 chances sur 6 de réussir notre action. Donc on doit faire 6, 5 ou 4 au dé pour que ça marche. Sachant qu'il y a des modificateurs qui, en fonction de la situation, vont apporter des bonus ou des malus. Donc là, on est à poursuite. Le joueur peut utiliser cette compétence lorsqu'un joueur adverse entreprend une action. Entreprenant une action, quitte sa zone de tacle quelle qu'en soit la raison. Le coach adverse lance 2d6, ajoute le mouvement de son joueur au résultat et en soustrait celui du joueur utilisant la compétence poursuite. Si le résultat final est inférieur ou égal à 7, le joueur utilisant la compétence poursuite peut être déplacé dans la case laissée vacante par le joueur adverse. D'accord, donc on va suivre le joueur d'une case, dans certains cas, même si j'ai pas tout à fait compris le tirage, il faudrait que je le relise plus en détail. Mais bon, vu que la compétence m'intéresse pas trop, je vais passer dessus. Les adversaires qui se trouvent dans la zone de tacle de ce joueur
ne peuvent pas utiliser la compétence esquive s'ils tentent d'en sortir. Ils ne peuvent pas non plus utiliser leur compétence esquive si le joueur tente de les bloquer. D'accord, donc la compétence esquive qui permet de relancer le dé dans une esquive, si je dis pas de conneries, ne peut pas être utilisée lorsqu'on a la compétence tacle. Dextérité, le joueur peut relancer le D6 s'il ne réussit pas à ramasser le ballon. De plus, un adversaire qui a la compétence arracher le ballon ne peut pas l'utiliser contre un joueur avec cette compétence. D'accord. Arracher le ballon, on avait dit c'était sympa. Faut faire gaffe à ceux qui auront dextérité. Le prochain live c'est demain, oui c'est demain à 20h, ça sera. Bah c'est écrit en bas. C'est écrit en bas de l'écran. Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, donc on va finir probablement. Lutte, le joueur est spécialement entraîné aux techniques de lutte, à moins que j'ai fait une faute. Le joueur est spécialement entraîné aux techniques de lutte. Ce joueur peut utiliser cette compétence lorsqu'il effectue un blocage ou s'il est bloqué. Si les résultats les deux à terre est choisi par l'un des coachs, alors au lieu d'appliquer le résultat, les deux joueurs sont jetés au sol. C'est exactement la même chose. Les deux joueurs sont mis à terre dans leur case, même si l'un des deux joueurs a une compétence blocage. N'effectuez pas de jet d'armure pour les deux joueurs. L'utilisation de cette compétence ne provoque pas de turnover, sauf si le joueur de l'équipe active était le porteur de ballon. D'accord, donc en fait, ça change pas tellement le résultat, mais ça évite les turnover et la compétence blocage de l'adversaire. Ok. Ça évite les risques de turnover, en gros. Frappe précise. Donc turnover, en fait, c'est quand tout simplement on fait une erreur qui est très pénalisante, genre on perd le ballon ou alors un de nos joueurs se fait mettre à terre. Et bien, c'est tout simplement à l'autre joueur de jouer. Ce joueur, alors frappe précise, ce joueur est un expert en coup de pied et peut frapper le ballon avec une grande précision. Comme sa frappe est très précise, le nombre de cases parcourues par le ballon lorsqu'il rebondit est divisé par deux. D'accord, donc ça c'est pour le coup d'envoi ça. Pas forcément, on peut le faire à d'autres moments, le coup de pied. Mais ok. Un joueur de l'équipe à la réception, anticipation. Un joueur de l'équipe à la réception qui n'est pas le long de la ligne médiane ou dans une zone de tacle adverse peut utiliser cette compétence lorsque le ballon a été envoyé, elle lui permet de se déplacer de 3 cases ou moins après que le ballon ait été dispersé, mais avant d'avoir effectué le jet sur le tableau du coup d'envoi. Un seul joueur peut utiliser cette compétence à chaque coup d'envoi. Donc on avait blocage qui était intéressant si je dis pas de conneries. Donc ça permet d'éviter voilà les deux au sol. Mais en force on avait deux qui étaient pas mal, à savoir châtaigne et esquive en force. Je pense qu'on va rester sur châtaigne, vu qu'elle est en verte, on va se dire que c'est conseillé. On va prendre châtaigne. Plus de chances de mettre les ennemis au sol. Là, plus de chances de faire lâcher le ballon à l'ennemi. Ah, c'est pas mal quand même. Oh, j'ai envie de prendre esquive en force. Allez, on va prendre esquive en force. Voilà, donc le Joker est maintenant niveau 2. C'est vrai que ça aura pris du temps, mais ça aura pris du temps. Mais bon, on avait toutes les compétences à lire. Ça devrait faire ça que pour les premières catégories de niveau. Donc voilà, il a sa compétence en plus qui est là. D'ailleurs, il n'avait pas de compétence jusqu'à maintenant. Ah, on a 130 000 de trésorerie, on va aussi pouvoir recruter un joueur, j'y pense. Donc on avait Verdier. Alors lui, donc il a accès à la compétence agilité seulement, enfin aux compétences d'agilité seulement, et il peut avoir accès aux capacités de passe générale et de force s'il fait un double. On n'a pas accès aux mutations. Ça c'est quoi niveau 1 requis? Ça c'est les armures, mais il faut niveau 3. Ok, d'accord. Casque, il n'y a que les casques? Ah non, il y a tout ça aussi, ouais. Il y a les épaulettes, mais c'est niveau 3, ça doit être tout niveau 3 en fait. D'accord, donc quand ils auront gagné des niveaux, on pourra leur acheter des petites armures aussi. Ok, montée de niveau pour Verdier, on fait un 6 et un 5, pas un double, mais un score élevé. Ce qui permet soit de choisir une compétence, soit de gagner 1 en agilité. Sachant que c'est très dur de faire des scores élevés, enfin c'est très rare d'avoir des scores qui permettent d'augmenter les stats, je me demande si j'en profiterais pas. J'aurais tout simplement eh bien, une chance sur 6, donc ça fait 15% de chance en plus de réussir mes passes, mes esquives, les réceptions, les ramassages de balles. Donc voilà, il y a 4 actions primordiales de son jeu qui vont avoir 15% de chance de plus de succès. Donc en fait, je pense qu'on va prendre directement le point en agilité. Alors, à savoir que les compétences, on peut les choisir quasiment à enfin, on peut les choisir à tous les gains de niveau. Donc voilà, les compétences attendra, on va prendre un point d'agilité. Ce qui nous met à 4 pour Verdier. Donc là, il va quand même être un joueur assez puissant dans notre équipe. À ne pas négliger.
Ok, donc les gains de niveau c'est fait. Est-ce qu'on a des joueurs qui vont pas pouvoir jouer? Bah Kokor parce qu'il avait été blessé au match précédent. Bon, je ne sais plus quel motif, je ne sais plus quelle blessure exactement. Je vais relire mes propres compétences. Difficile, ok, trop petit pour réussir à lancer le ballon correctement. Ignorer les zones de tacle adverse lorsqu'il effectue. Il doit soustraire 1 à son jet. Ouais, mais du coup, la compétence peut être utilisée qu'une fois, d'accord. Résultat est de 7 et de 9 sur le tableau, sont respectivement KO et sérieusement touché au lieu des résultats normaux. Donc, je sais pas si j'ai plus de chances d'être touché et esquive. Pour relancer les lorsqu'il rate une esquive en sortant d'une zone de tacle d'un joueur adverse. Ok. Donc, il faut qu'on recrute du monde. Feuille d'équipe. Nous avons 12 joueurs, donc un seul remplaçant. On va faire du coup acheter des joueurs. Nous avions, voilà, il nous manquait un Saurus pour être à 6-6. Donc on va en recruter un. Donc on va l'acheter pour 80 000 pièces. Ah et on peut avoir que 6 Saurus en fait, d'accord. On peut pas en avoir plus. Vous avez trop de joueurs de ce type. Combien il nous reste d'argent? 50 000. Et il faut combien pour un skin? Il faut 60 000. Donc je pense qu'on va encore économiser de l'argent et qu'on gardera un petit peu pour le skink. Donc du coup on a un nouveau joueur. Donc il va falloir lui trouver un nom. Donc tout simplement on va prendre dans le chat, vu qu'il y en a un qui n'a pas encore de joueur à son nom. Il s'appellera, pardon. Comment je fais pour renommer déjà? Là. Il s'appellera Sleepy. Alors est-ce que je peux faire des tirs et bas? Ouais. Bingo. Voilà. Donc ça sera un Saurus, un gros costaud. Enfin un costaud, pas le plus costaud, mais un costaud. La peau. On va prendre plutôt. Oh, plutôt clair. Et le corps, je sais plus ce que ça change exactement. Ça change apparemment les pics que j'ai sur la tête. Des grands pics. Des grandes cornes du moins. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose pour valider ou est-ce que c'est validé? On va dire que c'est validé. Verdier plus 1 en agilité. Ok, donc, eh bien nous allons pouvoir y aller vu qu'on va garder notre argent pour d'autres remplaçants, on n'a plus rien d'autre à acheter. Nous allons préparer le match. Donc, est-ce que je veux ajouter de l'argent en porte-monnaie? Non, vu que son équipe est plus puissante. J'ai choisi une équipe? Ah, bah non, oui, c'est fixe. Je suis obligé d'affronter le deuxième. Ou le. Ouais, le deuxième, c'est ça. Donc, étant donné qu'il y a un écart des valeurs d'équipe qui est de 330 entre les nôtres, je gagne 330 000 PO pour les coups vicieux. Donc, on va tout de suite commencer par un entraînement. Qui va-t-on entraîner? On va pas entraîner Verdier parce que vu qu'il a déjà un bonus, ça serait con de pas l'avoir. On va entraîner peut-être un Skink. Pourquoi pas le Joker? J'avais dit un Skink, mais c'est pas grave. Ah bah non! Vu qu'on a un Skink amélioré, on va tenter d'améliorer un Saurus. Donc oui, le Joker. On va faire un entraînement normal. Voilà, normal, normal. On attaque l'entraînement. Donc avant le match, votre joueur aura 26,24% de chance de gagner un point de mouvement. Oh, j'ai fait mouvement, quel mongolo. Tant pis pour ce match uniquement. Tant pis. Champion mercenaire, on va pas en prendre ce coup-ci. On va pas refaire la connerie. On va demander des relances. Les relances, c'est enjeu déloyal. Non, pas sûr. Je sais plus où c'est les relances. Le parchemin, casser du supporter adverse. L'apothicaire local, ça coûte combien déjà? 100 000, ouais, en cas de grosse blessure, ça peut être pratique. Donc je crois que ça permet de relancer un jet de blessure ou un jet de sortie.
Donc on va en prendre un. Je sais pas si j'ai un apothicaire de base, je sais plus, je pense pas. Hein. Pot de vin, baisser le mouvement, corruption. Ah, vous obtenez une relance supplémentaire. Voilà, entraînement complémentaire. On va prendre une seule relance. Une seule relance de dés et on va mettre des potions de force. Alors c'est quoi qu'ils ont en face? Est-ce qu'ils ont des compétences? Pas les trois quarts, les lanceurs ont esquivé passe. Ils ont quoi comme stats? Ils ont tous 3 de force et 3 d'agilité, mais c'est violent. 6 points de mouvement et 7 d'armure. Nous on a plus de mouvement, plus de force et moins de force selon le type de joueur. Ils ont 3 ou 1 d'agilité et plus d'armure. D'accord. Donc eux ils auront plus d'agilité, mais nous on aura plus de mouvement et d'armure. D'accord, donc ils sont un peu plus fragiles, on aura peut-être plus de chances de les blesser. Mais c'est tous les mêmes joueurs, ils ont tous les mêmes stats en fait. Ça va plus être les compétences qui vont varier, ils ont des joueurs de niveau 2, avec passe esquive. Ils ont blocage, faudra faire gaffe. Ok. Donc on va prendre des potions. Peut-être des potions d'agilité, vu qu'eux ils ont beaucoup d'agilité. Donc on peut en acheter 3 pour 3 joueurs. Donc plutôt des joueurs qui auront... Ou alors est-ce que je mets de la force pour plus les plaquer au sol? On va faire 2 et 1. On va faire une potion d'agilité. Donc lui il a 0 en... Il a combien d'argent en... En porte-monnaie, il a 0, donc parfait, il peut pas faire d'antidopage. Donc les potions d'agilité sur Kokor et sur Malakin. On valide. Et potion de force sur un Saurus. Ah, c'est 60 000 les potions de force, d'accord. Bon, bah tant pis. Du coup, bah, on va remettre un skin supplémentaire pour l'agilité. Monsieur Cabotin, par exemple. Et on valide. Pour 10 000, je crois qu'on peut absolument rien acheter. Donc, eh bien, on va garder 10 000. Juste, est-ce que dans la feuille d'équipe, je peux choisir mes joueurs de base? Est-ce que je peux déplacer les joueurs? Ah oui, mais l'autre fois, je pouvais pas changer de joueur parce que j'en avais pas assez, tout simplement. Quel honneur, tout à fait. Les streamers participent, les viewers participent à chacun de mes streams, évidemment. Donc tu vas peut-être mourir dans des conditions atroces dès ton premier match, ça je peux pas te garantir que tu vas survivre, mais voilà, tu vas participer quand même. Allez, on va faire les résultats des coups vicieux. Alors, donc lui il a juste fait un entraînement, il a 27% de chance, mais apparemment il a pas eu son point. Nous avions 26% et 58% de chance de gagner des points. Donc les apothicaires locaux, vous en avez engagé un. Vous avez une relance supplémentaire. Monsieur Cabotin va gagner un point d'agilité. Malakin va gagner un point d'agilité. Et le Joker va gagner un point de mouvement pour la durée du match. Bien, bon bah il y en a 3 sur 4 qui sont passés, c'est parfait. C'est parti pour le début du match. Donc, vu que c'est assez peut-être compliqué à comprendre, enfin ça va assez vite pour tout ce qui est les jets de dés, et on les voit pas forcément les jets de dés pour tout ce qui est les actions, le mieux c'est pour un premier stream, je pense, de suivre l'action de ce qui se passe. Est-ce qu'ils réussissent les passes? Est-ce qu'ils réussissent les plaquages? Et voilà, après pas trop se prendre la tête sur... Mais pourtant il avait fait un 6, alors pourquoi c'est pas passé? Parce qu'il avait tel modificateur. Regarde, mieux regarder ça plutôt comme un match de rugby ou de football américain et après peut-être une fois qu'on a vu comment ça se déroulait, essayer de voir un peu plus en profondeur. C'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre, j'ai galéré un peu pour le premier stream notamment. Et là ça va, j'ai lu toutes les règles du jeu, le gros bouquin de règles de Blood Bowl et ça va mieux. De niveau nous ramène à la question que se posent tous les fans présents aujourd'hui. Certains joueurs parviendront-ils à finir le match? Finir, oui. Mais dans quel état? Donc toujours commandé par Jim et Bob, donc tu vois,
Je sais plus si c'était Bob, je crois que c'était Bob, pas le joueur, qui a dit que justement, est-ce que les joueurs vont finir le match et dans quel état? Voilà, c'est tout à fait ce que je disais pour toi, mon cher Sleepy Pingu. Alors, donc on a Bob qui est sur la touche mais qui n'a pas de bonus particulier à ses stats, donc du coup on va le laisser en remplaçant. On a nos joueurs les plus costauds devant. D'ailleurs, devant, pas forcément Skink. Ah, ils ont tous les deux un bonus d'agi, donc ouais, rester devant. Ok, là de ce côté-là, on en a trois. On va éventuellement. Non, on va les laisser rapprocher. Donc là, je place mes joueurs avant le coup d'envoi. C'est moi qui donne le coup d'envoi, du coup? C'est moi qui envoie le ballon? Ok, donc là, on voit les relances. Donc là, c'est mes possibilités pour relancer le dé. Et là, les possibilités pour l'adversaire. Si jamais un résultat ne nous plaît pas et que la chance a mal tourné. Et ben, on va valider ce placement. Donc on avait gagné le précédent match alors qu'on avait perdu les deux précédents. On va voir comment ça va se passer. Donc là, ils sont peut-être un peu plus agiles. Ça va peut-être nous jouer des tours. C'est parti. Tu savais, Jim, que les C'est moi qui fais le klaxons coup d'envoi, première équipe à donc je gagner vais la l'envoyer Coupe vers Stanley au fond, au c'était en milieu. 2491. Quoi? Personne n'avait gagné la coupe avant Bob. Table Pas d'engagement, piégé. événement du coup C'était la d'envoi. première fois qu'une Le équipe temps est anglaise parfait, arrivait à le petit participer à une vent compétition fera que internationale la balle de haut rebondira niveau. un peu plus C'est encore. foudroyant et on brûle le trophée à cet exploit. Alors on va juste enlever voilà cette vue où on voit absolument rien. Donc ces joueurs avancent. Il a réussi son jet d'esquive en passant près des joueurs adverses. Et bien, on doit réussir un petit jet Récupère le d'esquive pour s'en ballon. sortir. C'est pour savoir si le joueur va nous tacler et nous empêcher de passer. Mais là, elle a réussi à passer parce qu'elle avait fait un bon jet au dé. Donc ça avance progressivement. Le joueur qui avait le ballon avance un petit peu. Il n'a pas fait de passe. Ça commence les plaquages et Récupère on le a ballon déjà et un touche le joueur ballon. blessé. Oh, bébé a pris son médicament et il va aller faire une bonne petite sieste. Donc Dovakin a subi une commotion, donc je peux relancer le dé pour espérer un meilleur résultat, mais vu que ça peut être un résultat pire, on va accepter la commotion. Aucun effet à long terme, ça c'est pas mal. S'il était mort, et bien, éventuellement on aurait relancé le dé. Là, on va refuser le relancer. On va le garder pour quelque chose de peut-être plus intéressant et éviter surtout éviter de tuer notre joueur en relançant le dé et en faisant un mauvais résultat. Il a loupé son esquive. Enfin, il a fait une esquive, mais il a dû refaire, vu qu'il a traversé la zone de tac un peu plus longtemps, il a dû refaire un jet pour savoir s'il allait réussir à esquiver, mais il a loupé son esquive et donc du coup, il a été sonné et il se retrouve au sol. Et vu que son joueur se retrouve au sol, ils subissent un turnover et c'est à moi de jouer. Turnover, hein, fin du tour, hein, tout bêtement. Alors, ils ont 3 en force et eux, 2 en force, donc ils vont peut-être pas super bien réussir des esquives. Alors je vais plaquer un joueur adverse. Je lance 2 dés quand je le fais parce que justement j'ai plus de force de lui. Donc je vais pouvoir choisir parmi 2 dés ce qu'il va subir. Donc ce qui est plus favorable pour moi tout bêtement. On va juste peut-être rapprocher des joueurs. On va peut-être bloquer celui-là aussi avec un blitz. Donc à savoir qu'on peut soit se déplacer ou attaquer un joueur. On ne peut pas faire les deux en même temps, sauf une fois par tour où on peut se déplacer puis taper le joueur. C'est ce qu'on appelle un blitz. Et on peut en faire qu'un seul par tour. Là, je peux faire 2 dés. On pourrait faire ce blitz là. On va rapprocher un petit skink en soutien. On va plutôt le mettre là. Voilà, on aura peut-être un troisième dé. Non, mais bon. C'est pas grave. On va juste se placer. On va juste se placer là, histoire de faire une zone de tac sur ce joueur qui va se relever. Pas le tour prochain, mais dans 2 tours, je crois, si je dis pas de conneries. Ah, évidemment, j'ai pas annoncé le blitz avant, donc je peux plus le faire. Je me suis carotté tout seul. Donc c'est pas grave, c'est lui qui va le faire. On aura juste beaucoup trop de joueurs à côté de celui-là. Du coup, lui, je. Non, on va garder la défense ici, parce que j'ai peur que l'ennemi passe par là-bas. Allez, attaquons celui-là. Alors, je peux soit me retrouver au sol, soit repousser le joueur adverse. Donc, on va repousser le joueur adverse. Donc, ça, c'est les fameux 2 dés auxquels j'ai accès. Et on va le suivre. Voilà. Donc, on va ensuite plaquer certains joueurs avant de faire les actions plus risquées. Vu qu'une action risquée, si elle échoue, eh bien, c'est une chance de faire
de passer notre tour et de laisser le joueur adverse jouer. Donc c'est pour ça qu'on fait jouer les actions les plus simples en premier. Voilà, toi tu vas te plaquer ici, toi tu vas venir en soutien là. Et vous, vous allez attaquer des plaquages. Est-ce qu'on a des plaquages à 3D? Non. Donc on va plutôt se rapprocher des joueurs qui vont peut-être réceptionner une passe. Ou plutôt celle qui va faire la passe. Là. Toi, c'est toi qui vas le marquer parce que t'es plus costaud. Donc tu vas le marquer ici. Et toi, tu vas marquer la zone qui est là. Ok, on va maintenant plaquer les joueurs qu'on peut plaquer. Donc peut-être plutôt ceux qui sont à droite. Donc à savoir que lui a la compétence cerveau-lance, ce qui fait qu'il a une chance sur 6 de louper, de rater, de pas pouvoir agir. Là, on peut faire défenseur bousculé. Il n'a pas blocage lui. L'histoire du Blood Bowl est jonchée d'équipes qui, par manque d'argent, ont disparu corps et âme. C'est normal, c'est un On va sport le de bousculer et le niveau. repousser par là-bas et nous n'allons pas le suivre. Puisqu'il va aider à taper un de ces deux. On va dire celui-là. Ou plutôt celui-là. On le repousse et on le suit. Ok, donc tous mes joueurs ont agi, c'est la fin de mon tour. Donc on a l'adversaire qui réussit finalement à passer nos défenses. Un joueur se rapproche, peut-être il va se faire passer le ballon, je ne sais pas, ou peut-être qu'il met des joueurs autour de lui pour, eh bien, le protéger. Ça fait un petit bouclier, un gros amas de joueurs pour empêcher de passer. Je me fais bloquer. Monsieur Cabotin a à nouveau subi, enfin Monsieur Cabotin a subi à son tour une commotion, donc il va se faire sortir du terrain. On va pas relancer les dés de peur. On a fait un jet de combien? On le voit le jet? Ah, il aurait dû prendre un KO, mais il utilise sa compétence, enfin à cause de la compétence Minus, il subit à la place une commotion. Donc ce qui est pas terrible. Ah, du coup j'ai pas eu le temps. J'avais oublié que j'avais 20 secondes, mais du coup là, le dé n'a pas été relancé, c'est ce que je voulais faire, ça tombe bien. Ça m'arrange. Alors là, il fait un gros paquet de joueurs pour qu'on puisse pas les arrêter. Je trouve que je me mets. Pour la force que j'ai, je trouve que je me fais assez souvent mettre au sol, mais ça va, on a réussi à le mettre au sol alors qu'il tentait une esquive. Alors on peut relever les joueurs. C'est la première chose à faire, ça on rate jamais. Mais après, le problème, c'est qu'on peut se déplacer et c'est ça qui peut rater par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher des joueurs par là-bas et on va devoir eh ben, faire un blitz pour eh bien, empêcher tout ce monde de passer. Notre ami au cerf-volant va faire une attaque avec 2 dés. Eux aussi peuvent attaquer. On va peut-être plutôt faire ça. On va peut-être mettre ce joueur ici. Faire de la zone de tacle. Voilà. On va même rapprocher celui-là, histoire d'avoir plus de chances de tacler, et puis comme ça taclera l'autre joueur. Voilà. Ceux qui sont à portée pour attaquer quelqu'un bah, vont le faire. Savoir qu'on a des relances, donc avec 2 dés ça passe plutôt bien. On va bousculer le défenseur et l'envoyer par là-bas. Nous allons le suivre histoire de nous rapprocher de la mêlée. Donc vu qu'il a la compétence esquive, il n'est pas bousculé si je dis pas de conneries. Ah, faudrait voir dans le détail des règles pour savoir ce qui se passe en vérité, mais du coup ça le bouscule pas. Enfin, ça le met pas au sol. C'est juste à vous deux pour l'apprendre. On va le repousser par là-bas. Ah, j'aurais dû le mettre en dessous, comme ça il aurait été dans la zone d'attaque des autres. Mister MV va suivre, comme ça il fera la zone d'attaque de ceux-là. Et vous êtes dispo, donc on va aller bourrer par là-bas, faire du soutien.
Et quelqu'un nous fera un petit blitz. Celui-là peut encore attaquer, mais il aura qu'un seul dé. On peut peut-être lui apporter du soutien. Il a 3, moi j'ai 2, donc je serai à égalité, ça me restera à 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas attaquer tout simplement. Alors, on devrait peut-être rester quand même pour défendre, pour faire de la zone de tacle. Mais en même temps, l'idée d'attaquer là-bas est assez alléchante. Et on attaquera celui qui est tout à droite. Défenseur bousculé, donc vu qu'il a peut-être esquive, ça va juste le repousser. Voilà, il a utilisé esquive, on vient de le voir. Et on va le suivre, comme ça, notre ami porteur de balle aura une zone de tacle. Et là, donc, soit je tente une esquive et je viens aider, soit je tente l'attaque. Mais c'est risqué, un seul dé. Bon, c'est ma dernière action, c'est le dernier joueur à agir. On le tente. Défenseur bousculé, donc on va le repousser par là-bas. On va le suivre. Ça permettra de tacler celui-là. Ok, c'est au tour de l'adversaire. Il tente de s'échapper, il a réussi à passer. Les joueurs se relèvent. Ça me repousse. Ça me repousse à nouveau et ça me met au sol. Donc je pourrais me relever. Ça a réussi une esquive. Est-ce que... C'est bizarre, ça a fait comme un truc de level up, mais j'ai peut-être halluciné. C'était peut-être juste pour dire que j'utilisais une compétence. Ah non, c'est lui qui a utilisé une compétence. Ok, il a tenté une esquive et s'est fait mettre au sol, donc c'est à moi de jouer. Donc pour commencer, toi tu vas te relever. Et on va peut-être attaquer celui-là pour un seul dé. Dommage. Ouais, il a beaucoup de joueurs autour, c'est peut-être pour ça que je bénéficie pas de super bonus. Est-ce que toi... Ouais, faudra arrêter celui-là, là. Faudra l'empêcher de passer. Alors vous deux, vous allez peut-être venir en soutien pour attaquer celui-là. Alors il y a peut-être pas besoin d'autant de soutien, en fait. Ouais, pour 2D, ça passe. Pour 2D, ça passe. On aura une relance si jamais ça tourne mal. Ok, on met le défenseur au sol. Nous le repoussons et du coup... nous allons le suivre. Ça permettra de tacler ces deux. Et du coup, ceci, on le libre accès pour aller par là-bas. Et venir en soutien. Là, on se prend 2 dés rouges parce qu'on a moins de force. Ça craint un petit peu. Là on a 2 dés, on va tenter d'attaquer celui-là. Allez, on le met au sol. On l'emmène par là-bas et nous allons le suivre. Il est sonné, donc il pourra pas se relever tout de suite. Et lui, il est dispo. Il est gêné par personne, donc il pourrait avancer en soutien. Donc on va faire ça pour attaquer ce petit monde là-bas. Et là, du coup, on passe... Bon, on est toujours à un seul dé. Malheureusement, on n'a pas assez de soutien. Ou il y a trop de soutien adverse. Donc je sais pas si ça vaut le coup de blitzer là-bas ou si on va plutôt intercepter cette personne pour 2 dés. On commence à vraiment se rapprocher des buts. Parce que là, tout le monde est sur place. Hein, ça vaut pas le coup de blitzer. Et là, pour un seul dé, je sais pas si on pourra faire grand-chose après. Avec un blitz. On va plutôt blitzer en bas. Avec 2D, ça passe. Défenseur bousculé, donc du coup, il va faire esquive pour pas être au sol. Nous allons le rapprocher du bord du terrain. Et l'éloigner du ballon pour que les passes soient plus dures éventuellement. On va le suivre. Histoire de continuer à le tacler, si besoin. Toi, du coup, tu vas pas pouvoir venir en soutien, là. Mais bon, ça serait peut-être bien que tu y ailles juste histoire de...
Ou alors est-ce que je me dis, je prévois le coup où ils arrivent de passer et je rajoute une zone de tac là-bas pour les empêcher de passer. En même temps, eux, ils peuvent rien faire. Et bah au pire, lui, il va faire une zone de tac là-bas. Voilà, il nous reste 1 minute 7 pour ce tour-ci. Chaque tour dure 4 minutes, sachant que pendant les actions, le temps s'arrête. Voilà. Ah, j'ai déjà blitzé. Oui, c'est vrai. Et ben on va se mettre ici. Et c'est lui qui va tenter d'attaquer peut-être avec du soutien. Ça passera mieux. Un dé. Et là, nous avions un dé aussi. Bon, on va d'abord jouer celui-là qui est plus important. Même s'ils ont tous les deux les mêmes chances de rater. Je le repousse. Et j'ai la possibilité de le suivre. Ce qui est une bonne nouvelle. Et celui-là, il avait déjà joué? Oui. Ah bah oui, il s'était rapproché. Et ben, il ne reste plus qu'à tenter ça. Un seul dé. On le repousse. On va le rapprocher du bord du terrain et de l'arrière. Et on le suit. C'est à son tour. Le ballon reste au milieu. Alors qu'on a joué la moitié des tours de cette mi-temps. Un de mes joueurs se fait mettre au sol. Un autre se fait sonner. Et du coup, il en profite pour avancer. Et du coup, il n'a pas de zone de tac qui l'empêche de passer, malheureusement. Je voyais un joueur descendre, mais non, c'était l'arbitre. Ok, je me fais plaquer à gauche. Ça tente le blitz en bas à gauche. Ah, et du coup, vu que j'ai plus de force, c'est moi qui choisis le résultat. Donc je vais pas choisir que je vais être bousculé, je vais plutôt choisir que je vais être seulement repoussé vers cette case. C'est à moi. Donc on va relever les joueurs au sol. Et ben eux, ils resteront là où ils sont, hein. On va pas risquer de les faire esquiver, vu qu'ils ont pas mal d'agilité en face et que moi j'ai que dalle. Lui pourrait tenter sa chance, mais il est sonné, donc il peut pas se relever tout de suite. Toi, tu es beaucoup trop loin pour empêcher ce joueur de passer. Je pense qu'on va le blitzer, mais pas avec lui. le problème, c'est qu'il y aura que lui qui pourra faire ça efficacement. Le problème, c'est si son test de cerf-volant ne passe pas, bon, on est baisé. Alors, est-ce qu'on peut libérer un Saurus qui est assez proche? Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs qui se sont fait mettre voilà, à l'infirmerie. Donc, c'est limité, du coup. Parce que là, si je blitz avec lui, voilà, je me prends deux dés rouges. J'ai toutes les chances d'échouer. Et ben, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Ça va être lui qui va y aller pour deux dés blancs. Éventuellement, celui-là va venir en soutien. On va lui rajouter de la zone de tact, sachant que cerf-volant ne me provoquera pas de turnover. Éventuellement, on va passer par cette case. C'est bon, le cerf-volant est passé. D'ailleurs, c'est passé avec un 2, sachant que je devais faire 2 ou plus. On va le bousculer, malheureusement, ça le mettra pas au sol. On va le faire reculer du mieux qu'on peut, et on va le suivre, histoire qu'elle a ses zones de tacle, et si elle veut passer par la droite, elle devra passer tout un tas de zones, sinon elle devra nous contourner. Donc du coup, ce joueur, on va le rapprocher ici, pour l'obliger soit à slalomer, soit à passer par lui. Là, ce joueur peut attaquer pour 2 dés. Donc allons-y. Moi j'ai relevé tout le monde qui pouvait être relevé, c'est bon. Je le mets au sol. Et je l'emmène par là-bas. Je ne le suis pas, je vais continuer... Si, quoique ça me pourrait me permettre de me déplacer éventuellement au prochain tour. Et ça pourrait me permettre à celui-là de passer. Alors lui on pourrait tenter une esquive, mais il a très peu de chances de succès. Surtout qu'il doit en faire deux à la suite. Donc on va tenter d'attaquer, tant pis. On va laisser ceux d'en bas de se débrouiller. Et peut-être qu'on limitera les renforts ennemis. donc oui, on va attaquer celui-là. On le repousse. Et on va le suivre, histoire juste de s'écarter du bord du terrain. Car c'est une zone très dangereuse. Ah, il réussit à passer. Il peut réceptionner le ballon, mais il ne pourra pas avancer par la suite. Il subit un turnover en subissant un ledo au sol. On peut relever celui-là et il va pouvoir se déplacer.
pas blitzer, mais au moins il pourra servir et faire une zone de tacle. Éventuellement, on va l'amener. Voilà, il servira pas à grand chose, alors que là, il pourra faire zone de tacle pour la droite, si jamais l'ennemi décide de longer. Donc ouais, va là-bas. Alors lui, on peut l'attaquer directement, sauf le problème, c'est que je peux avoir cerf-volant. Sinon, on blitzera dessus. Et si notre blitz, on n'a pas besoin de l'utiliser, bon, on le fera sur celui-là. A-t-il besoin de soutien? Non. On va avoir le double. Hein. Sachant qu'il a 3, il faudrait qu'on ait... Ah, il faudrait qu'on ait 7. Donc, il faudrait le soutien de 2 personnes. Le problème, c'est qu'on n'aura personne pour blitz après. Toi, tu dois te relever, d'ailleurs. Voilà. Les autres, c'est bon. On va tenter avec 2 dés. Donc le cerf-volant passe. C'est passé avec un 6, réussite critique. Même si là ça sert à rien. Oh, je peux le repousser. Dommage. Et là je pourrais éventuellement relancer le dé, mais bon, faudrait pas que ce soit quelque chose qui me désavantage. Donc tant pis, on va le repousser et le suivre. Du coup, on va lui mettre du blocage tout autour. Seulement il y avait plus de femmes comme ça, Bob. C'est peut-être même la définition de la femme idéale. Ces commentateurs. Nous allons blitzer, vu qu'on ne l'a pas fait. Une deuxième occasion d'attaquer les porteurs de balles. Oh, ça c'est bon ça. Défenseur au sol. Et s'il est repoussé? Non, il sera repoussé en haut. Nous allons le suivre, c'est risqué. Non. Regardez, Bob. Coup brisé. Le ballon se retrouve dehors et du coup le public le rebalance dans une direction et une distance totalement aléatoire. Nous allons pouvoir tenter un ramassage de balles du coup. Il nous reste 2 minutes. Aucun effet à long terme. L'apothicaire soigne. Ah d'accord, parce qu'il avait eu coup brisé, il perd un point d'agilité, mais il a fait... Voilà, s'il n'avait rien fait, il aurait perdu un point d'agilité, mais vu qu'il a utilisé son apothicaire, il a relancé les dés 2 blessures, et il y a eu seulement une commotion qui ne provoque aucun effet désagréable à long terme. On va attaquer ce joueur, histoire de libérer celui-là. Il faut que ça passe. Il faut relancer. ce n'est pas passé, malheureusement je vais perdre mon tour, j'aurais dû faire autre chose avant. Tant pis. Sachant qu'on peut relancer, utiliser une relance d'équipe qu'une seule fois par tour. J'ai eu les mêmes résultats, donc c'est malheureux. Alors dommage parce qu'on aurait pu éventuellement mettre d'autres adversaires au sol, mais bon, on aurait eu autant de chance, donc on aurait pris le turnover quand même. Hein. Il réussit à ramasser le ballon. Il a fait un 5 pour un 4 ou plus. Ça n'a vraiment pas de chance. Du coup, l'ennemi récupère le ballon à nouveau. N'essayez pas de faire ça à la maison, hein. Ce sont des joueurs professionnels. Ouais, enfin, un seul des deux, a priori. Quelle violence. Oui, c'est vraiment du beau spectacle, Bob. Du coup, on retourne un peu au même point, au milieu du terrain, avec l'ennemi qui a la possession du ballon. Alors lui, il est tout seul, il est tranquille, donc il va, vu qu'il peut pas attaquer et faire de blitz, il va faire une jolie zone de tacle pour ses joueurs, éventuellement pour le porteur de balle, ça serait mieux, mais il faut que je réussisse une esquive pour ça. Donc on va se contenter de cela. Éventuellement, il fera un soutien si celui-ci décide d'attaquer, de dérouge, on va éviter. Celui-ci peut aussi se relever, mais il ne pourra pas bouger sans faire une esquive, donc il va rester bien sagement à sa place. Celui-là va se relever. Éventuellement, lui aurait dû attaquer d'abord. Comme ça, lui, il aurait pu bouger. Mais bon, si je me prenais un turnover, il aurait pas pu bouger du tout. Donc, on va rapprocher notre ami au cerf-volant. On va le rapprocher de ce joueur. Ah, j'ai raté mon jet de cerf-volant. J'ai fait un 1 et j'ai besoin de faire 2. On va éviter d'utiliser une relance d'équipe pour ça. Donc, non, ça ne provoque pas de turnover. Il va juste pas agir ce tour-là. Est-ce qu'on se fait un blitz? Est-ce qu'on peut faire un blitz? Est-ce qu'on peut faire un blitz utile? Là, mais il faut que je réussisse une esquive.
La même. Là, on est trop loin. Mais un blitz, mais pour avoir combien de dés au final? 2 dés rouges, à éviter quand même. On va juste marquer les joueurs adverses. Lui peut faire un blitz, lui fera le blitz. Est-ce qu'il peut faire le blitz en bas? Oui. Il va faire le blitz en bas et les autres, eh ben, ils vont marquer. Donc on va le faire tout de suite vu que c'est plus facile à faire. On va marquer ici aussi. Celui-là va faire son blitz. Ah, je devais mettre le paquet pour ça, donc je vais prendre un échec, merde. Est-ce qu'on foire toutes nos relances? Non, on va la garder peut-être pour un moment plus critique. Même si là, c'est plutôt un moment critique. mince, parce que du coup, j'aurais personne pour marquer celui-là. Ok, c'est passé. Je pourrais mettre les deux au sol. C'est-à-dire moi et lui. Ou alors seulement repousser lui. C'est peut-être mieux que je sois au sol moi aussi. Bon, après, si je prends une blessure, ça serait un peu dommage. Donc, on va le repousser par là-bas. Et on va le suivre. Allez, il reste plus que lui qui va tenter une attaque à 2 dés rouges ou pas. Il reste où maintenant? Il reste 1 minute 22 pour ce tour. On va attaquer celui-là. Allez, boum, les deux au sol. Je regrette d'avoir utilisé ma relance. Il a réussi à esquiver, le cerf-volant ne fait rien, vu qu'il a il a des problèmes de cerveau justement. Donc il tente même pas de tacler l'adversaire lorsqu'il passe. Ça tente d'esquiver, enfin non, ça m'a fait un plaquage surtout. Les deux joueurs sont proches, on pourra blitzer celui-là éventuellement vu que lui il est disponible. Donc finalement on a bien fait de pas le faire mettre au sol. Sauf qu'il va sûrement appeler d'autres joueurs à la rescousse. Non, je préfère m'attaquer. Alors je me fais attaquer, mais vu qu'il a moins de force, c'est moi qui choisis le résultat. Soit je me fais repousser, soit je mets les deux au sol. Je vais juste me faire repousser. Il me suit. Ok. Alors, bah toi tu dois attendre encore un tour avant de pouvoir être relevé. Toi, on peut te relever et personne ne te gêne, donc on va le faire tout de suite. Et on va faire en sorte que tu marques ce joueur. Alors plutôt de ce côté-là. Histoire de pas. Ah, qui sont bêtes, ces skins. À chaque fois. Allez. Que histoire de pas foirer une esquive. On peut attaquer celui-là avec 2 dés, mais la dernière fois ça s'est mal passé et en plus on n'a pas de relance. De toute façon on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Toi tu peux venir aider, ça fera une zone de tacle en plus si jamais ça foire. Et toi tu blitzeras. Faisons ça. Vous prenez des dés rouges dans les dents. Lui on peut le tenter de le ranimer son cerveau. Et tu vas venir. Non, là, s'il y a trop de zones de tacle. Là aussi. Ah, il peut pas aller bien loin sans devoir faire une esquive. Et ben, on va plutôt tacler celui-là, du coup. Voire même, si on peut. Voilà. Se tacler. Enfin, mettre celui-là dans une zone de tacle et en plus se rapprocher de celui-ci. Du coup, ah, on passe à un des blancs. Là, on a 2 dés, mais là, on aura aussi 2 dés, et c'est plus important. Donc, on va le tenter. On peut mettre le défenseur au sol, c'est parfait. On va le repousser dans ses directions pour pas qu'il soit à côté de ses amis, et nous allons le suivre. En voilà un qui n'y reviendra pas de sitôt. Alors, on pourrait tenter une esquive avec celui-là. Pour tenter de ramasser le ballon. On va d'abord faire ce 2D, je pense. En espérant que ça tourne pas mal. Parfait. On le repousse. On le suit. Il nous reste 2 minutes. On va tenter le ramassage tout de suite.
Ah, 3 chances ou plus. Mais il faut d'abord aussi que j'esquive aussi. L'esquive est passée grâce à Minus. Je ramasse le ballon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer par là-bas avec les points de mouvement qui nous restent. Et éventuellement, on peut tenter une passe. Sachant qu'il y a une chance qu'il y ait le risque et que je perde mon tour. Mais c'est mieux de garder le ballon, c'est ce qu'on peut éviter de le perdre. Par contre, là, il y a deux joueurs qui vont arriver, trois joueurs qui vont arriver en renfort. Ça craint un peu. Il n'y a pas de risque d'interception. J'ai une chance sur deux que ça passe. Il reste pas beaucoup de tours, hein. Faut que je joue le tout pour le tout. Allez, on fait la passe. la passe était imprécise, donc du coup, la balle est perdue. Et elle est maintenant plus haut dans le terrain. Personne ne l'a dans les mains. Ces joueurs sont assez avancés. Les miens sont un peu dans sa zone. C'est un peu égalité pour savoir qui va l'avoir. Il a réussi à l'attraper. Il a fait un 5. Il a eu un bonus de 1 pour le ramassage. Il fallait qu'il fasse un 4 ou plus. Donc c'est réussi. Le live dure combien de temps? Bah, la durée du match. Donc en général un match dure... Enfin un live de Blood Bowl dure 1h30, mais vu qu'on a passé du temps à lire un peu les compétences, il durera peut-être genre 1h50 ou 2h. On a combien de temps là? On a 1h10 déjà. Il y a peut-être bien au moins une demi-heure. Voire peut-être 40 minutes. Vu que je prends aussi un peu le temps d'expliquer. Ça dure un peu plus de temps, c'est notre dernier tour pour eux et pour lui. Ma seule chance d'y arriver, c'est de blitz et de ramasser le ballon et d'arriver dans les buts. Vu que j'ai pas assez de points de mouvement pour arriver dans les buts, c'est mort pour moi. Lui peut y arriver s'il réussit à faire une passe à celui-là. Sinon, il est dans le même cas que moi, il a très peu de chances d'y arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller soutenir ici et on va casser la gueule au joueur. Il n'y a plus que ça à faire. Éventuellement on peut rapprocher des joueurs, faire de la zone de tacle. Coucou. toi tu vas nous faire une... Ouais non, tu peux pas trop faire une zone de tacle là-bas, tu vas pas assez loin. Qui va blitzer? Peut-être pour attaquer finalement. On verra qui va blitzer, on va d'abord... attaquer. Ah bah c'est le gros. Ouais mais le gros faut pas qu'il se loupe quoi. Faut pas qu'il loupe son cerf-volant. Allez déjà on va attaquer celui-là. Allez on en met un au sol. On l'envoie par là-bas. On n'a pas réussi le jet d'armure. Donc il va réussir à se relever. Donc il peut toujours réceptionner la passe. Quoique celui-là aussi. On va aller sur celui-là. Où on va venir en soutien pour là. Voilà, comme ça on fera le tacle et le soutien. Toi tu vas blitzer. Ouais, toi t'attaques pour 2 dés rouges, on va tenter le blitz avec soutien. Le cerf-volant n'a pas proc, on va le mettre au sol, le repousser par là-bas, on va le suivre, on lui met une châtaigne. On a juste une blessure sonnée du coup. Ok. Et bah toi tu vas faire zone de tacle ici. Voilà. Je peux avoir 2 dés, je pourrais aider là, non je suis trop loin. Donc tu vas marquer des joueurs. Tu vas aider à marquer celui-là. Au cas où qui réceptionne la passe. Et nous allons attaquer celui-là. Oh, on peut le mettre au sol, décidément. Si on pouvait en blesser un, ça serait cool. Échec de du jet d'armure. Et dernière chose qu'on peut tenter, c'est d'attaquer celui-là, mais je le sens pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire zone de tacle. Ouais, non, on va pas tenter l'esquive, en fait. On va s'arrêter là, je pense. On n'est pas trop mal. Allez, fin du tour et fin de la mi-temps pour moi. Où est-ce qu'il... Non, il a déjà joué son 8ème. Ah non, donc c'est peut-être la fin de la mi-temps, là, tout de suite, en fait.
j'avais mal lu. Donc il avait aucune chance de marquer, moi non plus en gros. Donc 0-0 pour cette première mi-temps. C'est plutôt égal. On va voir si nos joueurs arrivent à se relever. Enfin, ces joueurs arrivent à se relever, apparemment non. Échec du jet, donc il reste sonné et indisponible, sachant qu'il a beaucoup de remplaçants, je pense. Les miens. Et ben, il y en a un qui s'est relevé apparemment, ou qui n'était pas mis au sol. Donc on va être encore en sous-effectif, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, il nous manque un joueur. Donc ces deux sont toujours KO. Je bois un petit coup. Ok. Est-ce qu'on peut baisser la qualité sur Twitch? Tu peux baisser la qualité si je suis partenaire. Moi, ce que je peux faire, c'est que je peux baisser le débit d'upload. Ce qui fait que le live sera moins beau, mais il y aura moins de coupures de votre côté. Donc si tu veux, on est à 2000 actuellement. Je peux tenter de descendre à 1600 ou 1800, mais bon, ça sera moins joli. Forcément. Mais bon, vu que t'es seul, je te laisse choisir, vu que c'est toi qui regarde. Si personne est contre cette idée, je peux baisser la qualité du stream. Du coup, oui, j'organise mes joueurs. On va regarder s'ils ont mis des... Je crois que je vais les rapprocher en fait, aspirer le centre. Vous saviez que certaines équipes ont sombré par manque de supporters? Ça se comprend. Certaines perdent leur match pendant 7 ans. Vous vous attendez bien à ce que le public prenne des mesures radicales pour mettre un terme à cette spirale infernale? Non, en fait, on va rester comme ça. Je préfère les laisser avancer et après contrer parce que là, du coup. Oh, quoique je peux éteindre mes zones de tacle. Quoique là, ça fait en profondeur des zones de tacle, il peut juste aller là. Ok, donc je vais baisser un petit peu. On était à 2000, je vais baisser à 1800, tu me diras si je rebaisse encore. Hop. Voilà. Alors bon, bah du coup, bah 2 secondes, c'est parti. c'est eux qui font le coup d'envoi, du coup, ce coup-ci. Table d'engagement, on a fait un 10, donc le blitz. La défense se met en mouvement quelques instants avant que l'attaque ne soit prête, prenant l'équipe qui reçoit par surprise. L'équipe qui engage reçoit un tour supplémentaire gratuit. Cependant, les joueurs qui se trouvent dans les zones de tacle adverse en début de ce tour ne peuvent pas effectuer d'action. L'équipe qui engage peut utiliser une relance d'équipe durant un blitz. Si un joueur provoque un turnover, ce tour bonus prend fin immédiatement. Donc tour bonus pour l'adversaire. Qui a la possibilité d'avancer certains de ses joueurs. Donc le renvoi du ballon qui était sorti du terrain. Sélectionner le joueur à qui donner la balle. 4 en agilité, Malakin. J'ai 10 secondes pour me décider. Verdier, bah, c'était un bonus d'agilité aussi, donc pourquoi pas Malakin. Ok. Et ben, je pourrais avancer en fait, parce que là il n'y a aucune zone de tacle. Je pourrais tenter le forcing. Par contre là je risque de me faire sortir du terrain si je reste au bord, donc éventuellement je vais me mettre à une case comme ça. Est-ce que je vois leur zone de mouvement un peu? Il y en a deux qui éventuellement, trois, qui peuvent m'intercepter. On tente, allez, comme ça la balle sera derrière au pire. On tente l'échapper. J'ai des points de mouvement, j'ai des points d'agilité, c'est fait pour ça, hein. C'est fait pour jouer, pour foncer dans le tas. Et en plus là il y a tous ceux-là qui vont être dans des zones de tacle. Éventuellement on va rajouter des zones de tacle aux joueurs. Bon là par contre j'ai 20 000 esquives à faire. On pourrait tenter éventuellement de mettre ceux-là à terre pour pouvoir passer plus facilement. On a du 2D, du 2D, du 3D. On pourrait éventuellement blitzer avec quelqu'un pour faire une attaque supplémentaire. On va attaquer celui de droite avec celui du milieu. Ou alors je peux tenter d'avancer déjà celui-là, qui arrivera déjà en soutien et qui fera une zone de tacle. Qui obligera à contourner, allons-y. Faisons rentrer l'attaque. Et là on peut pas parce que justement ils sont trop rapprochés. Alors que là il y avait une ouverture en fait. Donc j'ai su profiter. Allez, on va attaquer celui-là. Pas de cerf-volant. Et bah les cerfs-volants on va pas relancer parce qu'on est en début de mi-temps. J'ai récupéré mes relances, mais
Je préfère qu'elle me serve encore. Ah, qui sont bêtes ces skins. À chaque fois que j'ai joué contre eux, ils pensaient que c'était moi leur adversaire. Alors que les adversaires, c'était eux. Allez, on le repousse à gauche histoire de faire une petite ouverture. Nous allons le suivre. Et là, est-ce que c'est ouvert? Pas tout à fait, parce qu'il faut que je passe au travers d'un de mes joueurs. Il y aura peut-être déjà moins d'esquives à faire. Toi, tu vas venir en soutien, donc tu vas faire un tact sur ces deux. Parfait, une zone de tact sur ces deux. Ah, on aurait pu blitzer. Mongolo, on blitzera avec celui-là, tant pis. Encore 2 dés rouges. Enfin, 2 dés blancs. On peut le mettre au sol, parfait. Nous allons le repousser de ce côté-là, histoire de l'éloigner un peu de mon joueur. Nous allons suivre, voilà. J'aime autant vous dire, ça fait très mal. Si j'arrive à blitzer et à bloquer celui-là, eux ils pourront peut-être passer. Mais avant, vu que je dois lancer des dés, on va rapprocher celui-là pour faire des zones de tac supplémentaires à l'adversaire et empêcher de rejoindre mon porteur de balles. Éventuellement, il y aura que ces deux qui poseront souci. Mais si on passe, c'est le GG. Allez, on va tenter de bloquer, de plaquer celui-là. On peut le repousser, on va le repousser à gauche, histoire d'ouvrir la défense. Et là, il y a peut-être moyen de passer. Alors, on peut passer derrière, mais on n'atteindra pas notre joueur. Jusqu'où on pourrait aller? Ah, je suis obligé de contourner celui-là, donc quoi qu'il arrive, je passe par cette case. Ou par celle-là, mais dans les deux cas, un joueur nous empêche de passer. Donc, on va venir en soutien ici. Et au cas où que ça renvoie la balle, on va mettre un défenseur à droite, bah ici. Qu'est-ce qu'il dit, craque Bob. Il a craqué. Ah, c'est elle qui m'empêche d'aller plus loin, d'accord. Et ben, on va aller jusque là. Voilà. Là, on fait un gros mur, on empêche les gens ici de bouger, on a deux attaquants qui sont derrière les lignes ennemies, c'est plutôt bon signe pour la suite. Fin du tour. Caméra, calme-toi. Ok, donc je pense qu'il va voilà, essayer de récupérer le ballon. Ah, il n'attaque pas, il n'a pas blitzé. Une esquive, il va tenter de rapprocher le plus de joueurs possible du mien et ça blitz maintenant. Alors là il va avoir un bonus de force, il va avoir beaucoup de dés. Et du coup je suis mis au sol, le ballon est derrière. Turnover pour ce joueur, à cause de ce joueur qui s'est fait mettre au sol. Eh bien je pourrais directement me relever, ramasser le ballon et faire ma vie. Est-ce que je peux ramasser le ballon après un relevage? Je peux, j'ai 2 chances sur 4 d'y arriver. Moi j'ai envie de dire, ça se tente, j'aurais dû faire jouer les autres joueurs avant. Tant pis, on tente. Ah, j'ai raté mon jet de ramassage, là on relance. C'est passé. Ça s'annonce bien. Ah, je dois faire une esquive d'abord. Alors c'est soit je tente de mettre le paquet et je dois faire un lancer de dés pour savoir si j'y arrive, soit j'attends un tour et je tente à ce tour suivant de faire le touchdown. Je pense qu'on va la jouer safe parce que je me suis fait avoir déjà. Et on va empêcher les joueurs adverses d'intercepter le ballon. Donc il y a lui qui pourrait tenter un blitz sur ce joueur. Mais ce joueur l'empêche de partir librement. Donc on va attaquer celui-là. Avec un autre évidemment. Alors lui il a le cerf-volant mais pour tenter sa chance avec 3D. Donc plus de chances d'avoir un résultat favorable. Ah bah il a eu cerf-volant, pas de chance. Donc on va tenter avec celui-là. On peut le repousser. On va le suivre. Mais du coup, voilà, lui c'est, il est toujours gêné par le même joueur. Donc on serait obligé de blitz pour libérer le joueur. Donc éventuellement, celui-là, il doit mettre le paquet pour y aller. Ouais, donc je vais pas pouvoir blitz en face à moins de réussir une esquive contre celui-là, mais ça me semble mal barré avec mon 1 point d'agilité. Je dois en réussir 2 en plus des esquives. Donc tant pis, on laisse tomber le blitz là-bas et on va tenter de libérer les joueurs pour en envoyer le plus possible à la défense. Enfin, à la défense de mon joueur là-bas.
Il reste 2 minutes, ok. Connais-tu les Vénus Maniteur, Bob ? On repousse par ce côté-là. Oh, j'ai peur, Bob. Faut voir. Vous les pontes, ah, je peux peut-être blitzer sans... sans mettre le paquet. Si, peut-être, en fait. Ah, mais j'ai qu'un seul dé en plus. Allez, on va faire de la zone de tacle. Ah oui, puis en plus, là, je dois esquiver celui-là. Voilà, 2 dés rouges, on va éviter. Là, on peut faire une bonne zone de tacle, ici. Éventuellement, on va blitz quelqu'un qui est un peu avant, hein. On n'est pas obligé de blitzer celui-là. Hein. C'est juste que ça aurait été le joueur le meilleur à faire. Là, on peut faire pour 2 dés, donc on va faire celui-là. Et après, on va avancer les joueurs qu'on peut. On va tout de suite avancer les joueurs qu'on peut avant qu'on se prenne un turnover. Tu pouvais aller où, toi? Tu peux aller là? Non, tu dois faire une esquive. Donc tu vas aller là, voilà, parfait. Ah oui, mais est-ce que je vais pouvoir blitzer là? Je vais pas me couper le chemin. Bon, au pire, je blitzerai celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire 2 dés rouges là. On peut faire 2 dés... Enfin, 2 dés blancs, du moins. On peut faire 2 dés blancs là aussi, mais c'est plus important de le faire là-bas. Éventuellement, si je le repousse, je pourrais avancer jusqu'à sa case et faire un deuxième zone de tac là-bas. Parfait, je peux le mettre au sol. Je suis. Ah, on a blessé. Il va rater le prochain match. Je n'ai pas vu quelle blessure il a eu. Ligament arraché, donc il va rater le prochain match. Il va pas jouer contre nous, mais il reste 27 secondes. On attaque celui-là. On choisit repousser. On le repousse là-bas. On suit. Et toi, tu vas nous tenter une esquive. Ouais. Ah, et toi? Eh, t'as pas joué, toi? Ah, il y a beaucoup d'esquives à faire. Est-ce qu'on le tente? Allez, on tente les 26 000 esquives. De toute façon, il n'y a plus de temps. C'est tout passé. Et toi, tu tentes les milliers d'esquives aussi. C'est tout passé. Ok, à 2 secondes de la fin, j'ai réussi à mettre 2 joueurs là-bas. Tout le monde a joué. C'est la fin du tour. Ok. Alors là, il y a beaucoup de gens en défense. Est-ce qu'il va réussir à passer? Il réussit à esquiver. Donc ça va faire un joueur pour une zone de tacle. Est-ce qu'il va tenter le blitz avec le dernier joueur qui est tout en bas? Il en rapproche le plus possible. C'est le blitz. Il doit faire des esquives pour passer. Ah, il blitz mon joueur qui est venu en soutien. C'est une bonne stratégie. Donc la seule chose que j'aurai à faire après, ça sera de réussir une esquive pour aller une case plus loin, sachant que j'aurai la relance de la compétence esquive et la relance d'équipe que je pourrais utiliser si vraiment ça passe pas. Est-ce qu'on fait les deux au sol pour mettre fin à son tour, ou est-ce qu'on se fait juste repousser? On se fait juste repousser, je veux pas risquer de blesser mon joueur. C'est la fin de son tour. Il faut qu'on élimine, qu'on augmente nos chances. Il faut qu'on... quitte à passer notre relance sur le blitz. Le problème, c'est que là, j'ai une esquive à faire pour passer. Donc on prend en éliminer qu'un seul. Et après, on tentera le touchdown. On va pas prendre trop de risques. Éventuellement, est-ce que j'ai des personnes à relever? Est-ce que j'ai des personnes libres qu'on pourrait rapprocher en soutien d'abord? Oui, on peut rapprocher des gens en soutien. Donc on va faire ça. Gratuitement et sans risque. On va pas tenter les... On va pas tenter tout de suite les GA2D, je veux garder toutes mes relances possibles pour rejoindre la zone d'embut. Mais éventuellement on peut au moins tenter le blitz. Toi tu peux bouger, t'as cerf-volant, mais bon ça fait mais pas de turnover si jamais ça foire. Mais au moins on aura rapproché nos joueurs si jamais on se fait plaquer là-bas. Voilà, on a personne là-bas. La foule est en délire alors que je suis à une case de la ligne de but. On pourrait faire du soutien pour le blitz, mais le problème c'est que il faut que je fasse des esquives. Enfin, on pourrait tenter de blitzer derrière, mais bon, on va blitzer devant. On va augmenter nos chances en rajoutant des joueurs.
jusqu'à avoir éventuellement 3D. On prend le risque de mettre un joueur au bord de la ligne. Eh ben j'ai pas mes 3D malheureusement. Tant pis, on tente quand même. Parfait. On suit. Ah, je peux tenter de me débarrasser de ce joueur pour 2D. On va le faire. On va le faire. Parce que là on peut relancer et si ça passe, eh ben, on n'aura plus qu'à marcher tranquillement jusqu'à la zone d'embut adverse. Et ça sera gagné. Sauf s'il repousse son joueur dans une direction qui ne me sied guère. Donc on va l'envoyer là-bas, parfait. Nous allons suivre. Et maintenant, plus rien ne nous empêche de marquer le premier but de ce match. C'est le touchdown. Revoyons cette image au ralenti. Revoyons ce pas au ralenti. Voilà, 1-0. On est dans une position confortable pour ce match. On lance les dés pour savoir si des joueurs vont se relever. Apparemment, pour les siens, il y en a un qui se relève. Donc, il va récupérer un remplaçant. De mon côté, les joueurs restent blessés et ne se relèvent pas. Alors que nous en sommes à 1h30 de stream. Finalement, on va faire les 2h, hein, je pense, pour celui-là. Avec le level up du début, ça nous aura bien occupé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs sur le terrain pour moi, mais on arrive quand même malgré notre sous-nombre, nous arrivons quand même à marquer. Donc c'est vraiment que les lézards qu'on avait affrontés en début étaient vraiment trop puissants pour nous, sachant que c'est exactement la même équipe mais avec plus de level. Il met des joueurs dans sa ligne. Il a mis des joueurs dans sa ligne d'embut, du coup, dans le doute, pour pas se prendre un 2-0. Il assure sa défense. Nous allons laisser nos joueurs ici, je pense. Voir si ceux qui ont le plus de points sont devant. Apparemment, oui. Il fait ça bien. Cette formation a fait ses preuves. Nous validons. Donc c'est moi qui envoie le... Ah non, en fait, d'accord. C'est qu'il n'avait pas encore placé ses joueurs. On va envoyer le ballon par là-bas. Enfin, on va tenter d'envoyer le ballon par là-bas. Table d'engagement 6, supporters. Chaque coach lance un dé et ajoute son fame et le nombre de ses pom-pom girls au résultat. L'équipe qui obtient le résultat le plus élevé est inspirée par ses supporters et obtient une relance supplémentaire pour cette mi-temps. Si les deux équipes obtiennent le même résultat, chacune obtient une relance. Les javelines ont fait 3 plus 1 de fame plus 4 pop-up girls, soit 8. Moi j'ai fait 1 plus 0 de fame plus 2 pop-up girls, soit 3. Donc les Tlangsa javelins gagnent une relance, ce qui porte le nombre de relances à 4, ce qui risque d'être assez pénible vu qu'ils vont pouvoir relancer le ballon moult fois. Nous avons mis le ballon pile dans la zone d'embut adverse. Évidemment, ça compte pas pour un touchdown, il faut que quelqu'un ait le ballon dans les mains avec le ballon pour que ça marche. Mais au moins, il va devoir reculer pour aller récupérer le ballon. Et sachant qu'il a tenté d'avancer dans la défense, il s'est fait plaquer et a perdu son tour, alors qu'aucun de ses joueurs quasiment n'a bougé. Donc ça va nous donner l'opportunité pour nous d'avancer en même temps que lui, pour tenter d'aller récupérer le ballon. Et même si c'est eux qui ont le ballon, et ben, ils auront tout le terrain à parcourir, donc c'est une bonne nouvelle. Alors vous voyez, là cette fois il a mieux revu sa défense, là je peux pas passer derrière sans passer par une zone de tacle adverse, croire qu'il a revu sa stratégie. Donc c'est pas eux qui vont blitz, donc eux, éventuellement c'est lui qui va blitz là, et comme ça eux pourront avancer derrière comme on l'a fait juste avant. Il y a deux dés blancs, donc on va le tenter, eux ils vont se contenter d'avancer, ouais non ils vont se prendre plein de zones de tacle aussi. On pourrait légèrement les rapprocher, toi tu vas nous aider à tacler là-bas. Allez, on blitz, on a une relance encore, si jamais ça tourne mal. Là, ça serait bien l'utiliser, étant donné qu'on n'aura quasiment rien fait. Nous allons le repousser. Si je le repousse de ce côté, bah, on peut passer par la droite. Donc allons-y. Et nous allons le suivre, comme ça, ce joueur aura aussi une zone de tacle. Et nous allons refaire la même stratégie que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on n'aura pas le ballon. Et nous allons tenter d'avancer tout là-bas. Alors, on frôle la limite, ce qui est assez dangereux. Et toi, tu vas... Est-ce que tu suis ou est-ce que tu mets une zone de tacle? Tu suis. Et tous les autres vont tenter de tacler eh bien, les joueurs qui sont par là. On va rajouter du renfort de ce côté-là.
Et eux, bah, vous allez...